Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo motivation ménage, clean with me, and on décorate parce qu'on va enlever la décoration de Noël. Je n'ai plus attendu jusqu'en fin du mois de janvier pour l'enlever. Ça faisait déjà un peu bof bof. Donc, dans cette vidéo, on va enlever la décoration de Noël, on va nettoyer la maison et on mettra la décoration de tous les jours. Ce ne sera pas une décoration spéciale, mais la décoration qui est facile à voir tous les jours. Je vais épurer la maison vu que les décorations de Noël sont souvent les décorations très chargées. Donc, je commence par enlever les rideaux bleus que j'avais mis pour Noël. Je vais retirer les jeux de lumière, ça c'est ce qui était sur le rideau tout en haut. Je vais emballer sur ce bâton pour le garder. Là, l'année prochaine, ce sera net sans problème et je vais réutiliser. C'est une petite méthode que vous pouvez vous aussi appliquer à la maison pour conserver vos guirlandes lumineuses. Surtout, ne pas tirer sur la guirlande, juste emballer légèrement sur le bâton. Avec les enfants, nous allons enlever toutes les boules sur le sapin, enlever les guirlandes simples, les guirlandes lumineuses et on va tout ranger dans un carton qu'on va bien scotter et garder pour l'année prochaine. Pour celles qui me découvrent pour la première fois, je suis Nati, maman de deux filles et j'ai créé cette chaîne pour échanger avec les mamans sur la vie d'une maman, l'entretien de son foyer, l'entretien de sa maison et la gestion de son foyer. C'est pourquoi il y a aussi des vidéos sur la gestion du budget. En ce qui concerne le sapin aussi, je vais bien le plier, emballer et scotcher pour que ça ne prenne pas la poussière. Donc, si l'année prochaine, il y a les moyens pour acheter un meilleur sapin plus gros, c'est tant mieux. Mais s'il n'y en a pas, au moins ce sapin-ci sera encore en bon état et je pourrai le réutiliser. Par la suite, je retire toutes les décorations de Noël que j'avais accrochées dans la maison. Ensuite, j'enlève les toiles d'araignée. Les toiles d'araignée, c'est quelque chose que je n'aime pas avoir à la maison. Chaque fois que je fais le ménage, j'enlève les toiles d'araignée. Je n'ai pas le matériel approprié, mais mon balai est suffisant pour le faire. Je nettoie tout avec. Après avoir donc enlevé les toiles d'araignée, je vais nettoyer mes étagères. Je vais tout enlever, poussière, saleté, nettoyer et remplacer directement sur les étagères la déco de tous les jours. Je continue avec la poussière, je nettoie la poussière sous mes woofers. Je vais également faire la poussière derrière la télévision parce que ce sont des endroits qui gardent beaucoup la poussière. C'est important pour moi et pour tout le monde de passer
le chiffon là derrière régulièrement. Ensuite, je vais bien balayer le sol. Pendant que j'étais en train de balayer le sol, il y avait de la musique. Donc, comme d'habitude, j'aime mettre la musique pendant que je fais le ménage. Ça motive et ça va plus vite. Je fais le ménage dans une ambiance motivante, ambiance relaxante. C'est vraiment important. Pour ce jour, j'avais mis de la musique religieuse. À un moment donné, je ne me suis même pas rendu compte que j'avais déjà voyagé en fait. Je n'étais plus dans le ménage. J'ai coupé même les endroits où j'étais en train de chanter, danser, louer et tout. Pour laver le sol, je vais utiliser mon produit Sim Flow. Donc, je suis vraiment contente de ces produits. Je vous ai dit dans la dernière vidéo que ces produits m'ont été offerts par la marque Simat et vraiment je suis satisfaite et je vous conseille ces produits. Ça fait briller les carreaux. Dans mes vidéos à venir, toutes mes vidéos de motivation ménage, je vous dirai un mot sur les différents produits. J'ai reçu gratuitement 7 de leurs produits que je vais tester avec vous. Regardez comment c'est dans l'eau. J'ai l'impression que ce produit, je ne sais pas moi comment ça se comporte, mais je ne sais pas si ça absorbe la saleté dans l'eau. La serpillière est propre. L'eau même est propre pour un sol bien sale. Il y avait la poussière sur le sol ici jusqu'à. Si j'avais juste lavé ça avec un détergent lambda, l'eau là serait noire. Il dit tout noir, mais avec ce détergent, vraiment, s'il y en a parmi vous qui ont déjà fait l'expérience de ce genre de produit, qu'elle m'explique quel est le principe. Après avoir lavé le sol et le séché, je vais venir faire ma composition de vinaigre blanc, bicarbonate de soude et eau. Une cuillère de bicarbonate de soude, 4 cuillères de vinaigre blanc et 4 cuillères d'eau. Cette solution, je l'utilise max pendant 5 jours parce que ce sont des produits naturels. Il n'y a pas de conservateur à l'intérieur. Cela qui me permet d'entretenir ma table basse. Cette table, elle est toujours blanche parce que je la nettoie au quotidien avec ce produit. Mettre les rideaux, je vais mettre les rideaux transparents tout blanc, question d'avoir la maison simplement décorée et non chargée comme je vous l'ai dit, parce qu'on sort d'une période où la déco était vraiment chargée. J'adore ces rideaux avec la broderie dessus. Ces rideaux, je ne vais pas les laisser comme ça parce que je les trouve assez transparents. Même dans un ou deux jours, je vais mettre les rideaux lourds tout autour. Sur ma table de salle à manger, je vais remettre cet ustensile ici que j'ai converti en pot de fleurs. Je ne sais pas si on appelle ça carafe ou gobelet. En fait, c'est un ustensile de cuisine que j'ai juste converti en pot de fleurs et je le trouve vraiment très beau. Thank you.
Je vais également poser mon pot de fleurs bleues. Donc voilà un peu le petit résultat déjà de la première partie. Je viens sur mon canapé mettre ce jeté de canapé que j'ai complètement converti en couvre-canapé parce que les enfants montent sur le canapé n'importe comment. Je préfère que ceci attrape la saleté là, je vais l'enlever et le laver que de les laisser me gâter le canapé. Donc je vais bien le dresser et mettre mes coussins. Pour la table basse, je vais utiliser ce plateau. C'est un plateau décoratif. J'ai mis le pot de fleurs, c'est ce verre que j'avais bombé, que j'avais peint. Je vous invite d'ailleurs à aller regarder la vidéo où j'ai bombé quelques éléments, quelques objets pour avoir de la décoration à petit prix. Donc, j'ai terminé, je viens donc parfumer avec mon parfum Glad, Glad à la lavande. C'est un parfum qui est vraiment top. Quand je finis de faire mon ménage, je parfume la maison. Ça sent vraiment bon, ça sent frais et la maison est vraiment le top du top. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à me laisser un commentaire et à partager. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye bye!